Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce mardi 23 août 2022, 15h32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment très, très pertinent et très apprécié Il y a des choses qui se passent en ce moment, mes amis. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui parce que j'ai mis la main sur des grands titres qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. D'ailleurs, on commence tout de suite. Il y a eu un attentat à la voiture piégée qui a semé de malaise parmi euh, les proches euh, de Poutine. Une propagandiste, hein, c'était la fille d'un gourou de Poutine apparemment, russe de premier plan, qui encourage la guerre en ce moment, qui est pour ce qui se passe, euh, hein, la guerre contre l'Ukraine, et qui se promenait dans un parc de Moscou ce week-end lorsque l'un de ses gardes de sécurité personnels a sprinté devant alarmé par le ballon d'un enfant sur un banc à proximité, sera, cela aurait pu être une bombe. Donc, mais il y a eu un incident. Euh, cette, euh, quelques heures après la promenade dans le parc, une autre propagandiste pro-guerre, euh, Daria Dungina, a été tuée samedi par, dans une voiture piégée, ou par une voiture piégée, dans une banlieue de Moscou, la fille du nationaliste d'extrême droite. Alexander Dugin est décédé dans une explosion de feu euh, près de l'une des enclaves les plus exclusives de l'élite puissante et riche de la capitale. L'agence de, de sécurité intérieure euh, russe, le FSB, a accusé les services de sécurité ukrainiens euh, d'avoir organisé l'attaque. Donc, souvent, des, les grands conflits sont déclenchés par des événements. Euh, Plutôt pas banal, mais quand même ordinaire. Et là, ça, ça mille le feu aux poudres, apparemment, selon le Sun, le US Sun, et euh, la Russie maintenant menace l'Occident d'une guerre nucléaire et s'engage à préparer des abris euh, à bombes nucléaires en colère contre l'assassinat, justement, de la fille du gourou de Poutine. On le voit ici, c'est le philosophe Alexander Dugin, je vous en avais déjà parlé, qui a assisté au funérail de sa fille aujourd'hui après qu'elle ait euh, été tuée dans l'explosion d'une voiture piégée. Donc, ça, c'est les grands titres qui sont naturellement euh, alarmants puis alarmistes. L'homme surnommé le gourou de Poutine s'est joint aux personnes en deuil lors de la funéraille de sa fille. Donc, ça, ça met le feu aux poudres euh, des dirigeants russes, apparemment. Et euh, on en voit maintenant des menaces, quand même assez spectaculaire, mais il ne faut pas oublier que dans tout ce contexte-là, il y a aussi euh, la fameuse centrale nucléaire qui est un peu gardée en otage. Et la semaine dernière, je partageais la nouvelle que Poutine avait prévenu Macron d'une catastrophe dans la centrale nucléaire ukrainienne en question, à venir, peut-être. Donc, moi, je ne sais pas, mais ça sent vraiment pas bon. La Chine déploie un grand drone. Euh, non, n'est pas ça du tout. Ce euh, que je voulais vous donner, attendez. Euh, la Russie, maintenant, on apprend du euh, Herald de Miami que la Russie a organisé des jeux de guerre au Venezuela. Tout ça dans ce contexte-là, en voyant des signaux alarmants dans toute l'Amérique latine. Ça, c'était publié hier, et je voulais vous garder ça pour un, une publication intéressante. Ben là. Elle, elle, elle cadre très bien dans celle-là aujourd'hui. Des snipers de Russie et d'autres pays hostiles aux États-Unis participent à des jeux de guerre qui se déroulent cette semaine au Venezuela lors d'événements qualifiés de jeux olympiques pour soldats qui ont été organisés non seulement pour montrer que Moscou a encore des amis, mais aussi que certains d'entre eux sont en Amérique latine. On voit ici Vladimir euh, dans une rencontre le 25 septembre 2019. Naturellement, Poutine n'est pas là en ce moment, là, mais. Les Jeux de Guerre internationaux ont lieu chaque année depuis 2015 à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie et le Venezuela y participe depuis le début. Mais les Jeux de cette année sont les premiers organisés en Amérique latine et incluent des participants de Cuba, de Bolivie et du Nicaragua, tous des ennemis <laughs> des États-Unis, des forces de Birmanie, de Biélorussie, d'Abkhazie, d'Ouzbékistan, de Chine, d'Inde, de Pakistan et d'Indonésie. Entre autres, participent également aux compétitions. Donc on voit que est pas, il n'est pas vraiment isolé, hein? euh, Poutine, et la Russie n'est pas vraiment isolée non plus. Et ça, c'est dans le contexte aussi où on a euh, la Russie et euh, la Chine qui s'unissent dans plusieurs dossiers. Et Henry Kissinger, la semaine dernière, qui nous disait que les États-Unis se dirigent sans aucune raison vers le bord d'une de de guerre contre la Russie et la Chine. Wow! Donc, chers amis, beaucoup, 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 beaucoup de. Beaucoup de, de, de. Comment dire? De titres alarmants, beaucoup de. On peut le voir, de tensions dans le monde en ce moment. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Une chose est certaine, c'est qu'il va euh, sûrement y avoir un conflit quelconque plus grand que. Ce qu'on voit en ce moment, c'est juste une question de temps. La Chine, euh, la Chine et la Russie et ces pays un peu anti-américains, on peut le voir, euh, restent les coudes serrés. Et là, maintenant, cette nouvelle-là, suite à la mort de la fille du philosophe, la Russie qui menace l'Occident d'une guerre nucléaire, c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais en même temps, avec tout ce que je viens de vous partager, tu te rends compte qu'il y a une tension énorme et que ça prendrait pas grand-chose, peut-être même juste des événements ordinaires comme ceux-là, ben, ordinaires dans le sens euh... ⁇ wow ⁇ je reviens.